Salut, salut les amis, c'est Food for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Futmas avec le défi Futmas. Et honnêtement, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris la tête comme ça. Mais j'aime bien. Mais ça fait très longtemps que je me suis pas pris la tête comme ça. Oh alors, donc il fallait une note à 77, désolé, mais la note, je l'ai pas respectée, hein, je vous le dis. C'était déjà assez galère comme ça. Donc je peux pas vous dire combien il va coûter. Le plus cher c'est lui là. Mais je pensais que Ronnie Lopez était encore à Séville. Et je l'ai pas trouvé sur le marché des transferts. Donc forcément j'ai pris un portugais et un autre portugais. Bon je vous explique. Enfin vous expliquez le principe, c'est compliqué. Mais en gros il faut que le gardien et les deux défenseurs centraux soient de la même nationalité mais pas du même championnat. Les trois milieux de là, faut qu'ils soient de la même nationalité et du même championnat. Il faut que le BU il soit du même championnat que ces trois-là, mais pas de la même nationalité. Pareil pour lui, il ne faut pas que ça soit de la même nationalité. Et en DG, il faut qu'il ait un lien là. Bon, je sais pas comment je peux vous expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Et en gros, le MD, il faut qu'il ait la même nationalité que le BU, mais d'un autre championnat pour qu'il y en ait 6 exactement. Donc je suis à collectif 96, mais vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4... 5 et 6 joueurs qui ont le collectif. Donc vous serez à 90, mais vraiment tout pile. Voilà. Donc ce DCE là, j'ai vu qu'il y a des joueurs que j'avais dans le club, etc. Je sais pas combien ils coûtent. Honnêtement, je sais pas combien ils coûtent. Franchement, je vais vous dire entre 10 et 15 000. Grand max. Voilà. 15 000, c'est vraiment si les prix sont ouf. Après, voilà, lui, vous pouvez le remplacer par n'importe quel DG portugais qui joue ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en France, ni au Mexique. Enfin voilà, il y a par exemple il y a Vierina qui joue en Grèce. Là comme ça je sais pas. Hein. Après voilà, voilà. Après je peux pas vous dire mieux, les amis. Je suis désolé. Après c'est pareil les DC là. Si vous voulez pas mettre Boli, vous mettez, j'en sais rien, un défenseur central français. De Maio qui joue en Italie par exemple. L'Italie on l'a pas. En calcio on l'a pas utilisé. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que voilà. On commence avec Steve Mandanda, Luis Rodriguez, Willy Boli, Benjamin Stambouli, Nuno Sequeira, Javi Garcia, Elias Hernandez, Beniat, Serdi Darder, Gonzalo Guedes, et on termine avec Javier Hernandez. Pour Beniat, là, si vous avez un autre MC, du moment où il est rare, si vous avez un MC, même si vous avez un MDC, au pire des cas, ben, vous le passez en MC. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre Beniat. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ben, je déconne, on va aller ouvrir le pack. Je fais tout sur mon compte maintenant, vous avez vu. Parce que voilà, au moins si je pas quelque chose, c'est sur mon compte et je ne peux pas. Je suis pas Ken comme dans l'autre. Tant pis, ça fait un DCE, ça fait un pack de moins à ouvrir pendant le live, mais c'est pas grave. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous avez, je me suis pris la tête, hein, j'en ai fait des trucs. Hein. Au final, pour pas les utiliser, quoi. Bref. Allez. Pack méga, on ouvre le pack. Si ça pouvait me récompenser de mes neurones perdus en réfléchissant. Ben non, hein. On a de la merde. On a de la merde. Et on a Gomis, mais c'est génial. Mais génial, dans un pack méga, Gomis. Parfait, on est refait. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager un max. Honnêtement, j'en ai chié vraiment. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao les amis.